donc joué Thierry par l'orchestre des cadets du conservatoire sous la direction de Paul Mull. Et une petite pensée à celui qui a été le fondateur de ce conservatoire, Pierre Barbizet. Barbizet qui a disparu cette semaine, alors que nous avons la composition de l'Olympique de Marseille, je vous l'avais dit, l'équipe au grand complet, Huard, Dimeco, Moser et Sauzé seront en défense avec un amour. Et voilà le coup d'envoi avec des garçons que vous connaissez, donc Lacatus, Badlint, Hadji, et premier ballon pour la défense marseillaise. Et avec le coup d'envoi de ce match qui a été donné par l'arbitre international, monsieur Joël Guignou, qui est assisté pour cette rencontre de messieurs Chab et Bata, avec un premier coup de sifflet qui va permettre aux Marseillais Ce de coup, se... Lacatus, Hadji, vers le ballon, et ça fait deux fois, il a un bon de frappe là, superbe but de Philippe Vercruis, malgré un bon plongeon de Lou. Et encore un ballon récupéré par Éric Dimeco. Si on revient, c'était un petit peu auparavant. Francescoli, Vercruis, c'est pratiquement sans élan. Frappe du coup de pied. Elle n'était même pas travaillée cette balle. Voilà, la classe, il prend un minimum de concentration. Attention, Jean-Pierre Chabat dans les 7 mètres. Un peu court, Enzo Francescoli, qui en reste sur son séant, sur cette... feinte de frappe, parce que je croyais bien qu'il allait frapper au bout comme à son habitude. Et Carlos Moser l'a mise. Moser l'a bien mise comme à son habitude. Eh oui. Cinquième minute de la deuxième mi-temps. Bien vu Carlos Moser, bien vu Chris Waddle. Et quel extraordinaire timing, quelle extraordinaire coordination entre l'élan, l'impulsion de Carlos Moser. Regardez, il est, c'est-à-dire un mètre derrière. Jovan. Romain. Jovan. Elle est déviée. Et Jovan, alors que Florine applaudit sur ce coup franc transformé, oui. Eh bien, Jovan voit son tir détourné à la 19e minute. Oui. Stéphane Jovan qui a eu son tir dévié par me semble-t-il, Didier Deschamps, qui était sorti du mur. On va aller voir ici, Deschamps. Oui, je pense que c'est Didier Deschamps qui l'a pris un petit peu dans les chaussures. On donne à nouveau. Hadji. Dans coupé. Ses œuvres, mais coupé par Moser. Voilà la fin. Et de coup de sifflet de monsieur Guignou qui indique que la rencontre est terminée, donc 2-1, alors que le feu d'artifice va illuminer le stade Vélodrome. Gérard Vandergut va certainement nous présenter